Fact. Alors, ça c'est la religion et les rituels. Alors, la première question. What god/god are worshipped by the people in this culture? Alors, on a plusieurs, mais le main que on worship, c'est Nilet, qui est un swallow. Et les swallows, c'est les animaux qui ont guidé us à la land quand nos planes crash. Alors, ça c'est parce que pourquoi notre île est dans une shape de la swallow. Alors, deuxième question. What are the most important teachings, principles, or ideas that the gods represent? Alors, parce que il y avait juste un sparrow qui a nous guide us. S'il y avait un, s'il y avait plusieurs, on n'a pas va avoir cette rule. Mais le teaching qu'il donne nous, c'est that one person can change the whole world, but it takes a lot of people to change one person. It takes one person to change the world, but the whole world to change one person. Alors, qu'est-ce qu'un swallow a fait à une personne a changé notre world? Et les 4, 5, 6, il parle les holy people, mais dans notre culture, on n'a pas de holy people. Alors, what role do animals play, if any, in religious rituals? Alors, c'est pas comme un ritual, mais si on trouve un swallow qui est stranded, ou any kind of animal qui est stranded, on lui place dans notre hôpital et on lui help survive. Alors, question 8. Describe the most important religious holiday in your culture. Tell why it is important and what people do to celebrate it. Alors, chaque décembre 23, toutes les personnes is gathered dans notre church et on a une celebration pour Nilet. Parce que December 23rd, c'est le jour qu'on a crash. Alors, je vais vous montrer notre church. C'est très, très secret. Et c'est aussi un safe. C'est une de nos safe houses. Alors, tu vas dans ce waterfall. Et puis, tu vas. Et ça, c'est notre church. Ce ne regarde pas comme une church, mais ça, c'est où on a tout notre rituel. Alors, sur le dos, il y a les autres questions. Alors, ça, c'est les questions de l'autre côté de la pièce de papier. Alors, le bouddhisme. Il est basé sur la réflexion que tout vivant est réborné après la mort. Et puis le christianisme. Le christianisme est la foi en Jésus Christ qui est mort en vue de d'accorder la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Et puis, c'est, je pense, le hindouisme. C'est pour les hindous, le seul but de la vie est de réaliser Dieu. Puis pour l'islam, leur Dieu est éternel et il est le plus puissant. Puis les Quakers rejetant les guerres et sont indiqués pour l'éducation. Le Shinto. Il est un système de croyance animiste qui signifie qu'il attribue power stormis les hauts.
les pouvoirs mystiques des objets naturels. Aussi vient de la Chine. Oui, le dernier du judaïsme. Les juifs croyant en un dieu qui a créé l'univers entier. Alors, ça c'est tout pour mon vidéo. Mais je vais vous montrer notre church, notre église. Alors, on a pensé de faire un underground safe house qui est un waterfall door. Mais on n'a pas fait ça, alors on a juste fait une church qui a un waterfall door, comme ceci. Alors tu vas dedans et puis tu es ici dans l'église. Alors merci pour regarder mon 7e vidéo de Minecraft et vive les survivants.